Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Prakanda Senamuka. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire tout de suite. Cliquez sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour rester informé de la sortie de chacune des vidéos de la chaîne et plus particulièrement des vidéos podcast, des entrevues avec une viche qui constituent quand même l'essentiel des émissions de la chaîne qui sortent chaque semaine, tous les lundis et jeudis à 18h, heure de Paris-Bruxelles et qui répondent à vos questions posées à la Prakanda Senamuka et à l'occasion desquelles nous nous retrouvons pour une heure environ, avec la majeure Ilyalana attachée à la section de liaison de la division terrestre de la Prakanda Senamuka. Bonjour, majeure Ilyalana, comment ça va tout bien aujourd'hui? Bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Je vais très bien, je vous remercie. Et vous? Oui, je vais tout bien, merci à vous. Alors, nous voici réunis à nouveau pour la 51e entrevue entre vous et moi, et oui, les gens qui nous écrivent aussi, qui font partie de l'émission. Un jour, faudrait un concept où on fasse une émission de télévision et où on accueille les gens qui ont des questions à vous poser, qu'ils puissent vous les poser en direct, voilà, et que vous puissiez répondre. Hein, ce serait bien, ça. Oui, ce serait une chouette idée, effectivement. Ce serait un bon concept d'émission, je pense. Je suis certaine que ça aurait du succès. surtout après. Hein. Les gens seraient plus dubitatifs quant à notre existence. Les gens diraient plus c'est du délire, etc. Bon, il y aurait des questions plus profondes et ce serait un espace ouvert pour tout le monde où il y aurait moyen de trouver une réponse à ces questions personnelles avec la proximité d'une fiche pour y répondre. Ce serait pas mal du tout. Et ça vous tenterait d'animer ça? Ou du moins de co-animer, forcément. Moi, si c'est avec vous, pourquoi pas? Avec grand plaisir. Moi, j'aurais peut-être d'autres choses à faire à ce moment-là. Ah bah, tout pareil pour moi, pour le coup. Je crois qu'on est dans la même situation l'un et l'autre. Et si je vous embauche pour m'épauler dans ce que j'aurais à faire? Ça vous tenterait? Cette question est dans l'air du temps. On verra, pourquoi pas. Je dis pas oui, je dis pas non. Pourquoi pas? Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se sont quelque part attachés à vous, hein, quand même. Moi, j'en suis vraiment désolé. J'ai rien fait pour, hein, c'est promis. Oh, mais c'était un compliment, en l'occurrence. C'était pas pour obtenir des excuses de votre part. Ah oui, d'accord, ok. J'avais pas compris. Ouais, off. Ouais, faut pas s'attacher, c'est pas bien. Ouais, vous savez, nul ne sait ce que sera demain. Nous verrons bien. Allez, pour cette 51e entrevue, eh bien, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 intervenants. 5 intervenants à peu près. Alors, on commence tout de suite, si vous le voulez bien. Eh bien oui, commençons. Je vous écoute. Bon, allez, on y va. Question de Géraldine. Bonjour, Géraldine. Bonjour, Géraldine. C'est vrai, quand vous le faites pas, j'y pense pas non plus. Je vous ai fait remarque la dernière fois, je le fais pas non plus. Désolée. Vraiment désolé. Allez, personne ne vous en veut, j'en suis sûr. Allez, question de Géraldine. Première question. Cher Ilyalana, cher présentateur, vous nous avez expliqué que JFK était l'équivalent d'un agneau au milieu d'une meute de loups au sein de la famille Kennedy. Qu'en est-il de son fils John John? Nombreux sont ceux qui soutiennent qu'il est encore en vie et qu'il va faire sa réapparition sous peu. S'il est vraiment mort, a-t-il été victime d'un assassinat? Était-ce lui aussi quelqu'un de bien? Qu'en est-il de son magazine George, qui, avec le recul que nous avons aujourd'hui, semblait à l'époque plutôt visionnaire? Merci pour vos réponses. Ah, la famille Kennedy, c'est épouvantable. Hein. De toute façon, oui, John John était quelqu'un de bien, effectivement. Il y en a eu quelques-uns. Hein. Il n'était pas tout seul, JFK. Mais de toute façon, c'est très simple. Tous ceux qui sont morts ou censés l'être étaient des gens bien. Les autres, il leur est rien arrivé. Alors évidemment, John John a été assassiné. Alors maintenant, effectivement, j'ai entendu ces bruits qui couraient comme quoi il ne serait pas mort et reviendrait bientôt. Ça, c'est quelque chose qui circule dans les sphères de Donald Trump, enfin, qui circulait il y a un peu de temps. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, je n'en sais franchement rien. Alors, je n'ai pas l'information de qui vit, qui ne vit pas derrière les 2 milliards d'êtres humains sur Terre. Franchement, je n'en sais rien du tout. De toute façon,
J'ai un gros doute. Je ne dis pas que j'ai raison, hein, mais je crois pas qu'il en ait réchappé. J'en sais rien. Je pourrais chercher, enfin, ça me ferait courir. Derrière le lapin blanc, j'ai autre chose à faire que de rentrer dans le terrier. Ceci étant, c'est un signe évident de probité, ça, chez l'ennemi. À partir du moment où quelqu'un de bien se manifeste et est reconnu comme quelqu'un de bien, il est obligatoirement liquidé. Obligatoirement. C'est pour ça, le Kennedy qui va se présenter en Allemagne pour faire le kéké, enfin, ça, cette histoire est terminée maintenant aussi. Mais, c'était du flan, évidemment. Il était l'ennemi. Il a fondé sa réputation sur son ancêtre, que tout le monde trouvait extraordinaire, à raison d'ailleurs, sans que personne n'ait vraiment su que la famille Kennedy était une famille de rats. Excusez-moi, toutes mes excuses envers les rats. Non, John et tous ceux qui sont morts à sa suite, et il y en a quand même pas mal, ont tous été assassinés. Ce n'est pas la malédiction des Kennedy, hein, non, c'est, enfin si on veut, mais pas dans le même sens, hein. C'était la malédiction de la famille Kennedy envers les membres dissidents, et famille ou pas famille, celui qui ne suit pas le mouvement chez l'ennemi est éliminé, hein, sans se retourner. Donc, voilà. Effectivement, le magazine George était vraiment, vraiment très très bien. Il a été racheté par le groupe Lagardère à l'époque, un groupe français, et bon, il en est sorti de trois numéros, il me semble, puis ils ont arrêté. Donc, cet éditeur-là a reçu l'ordre de racheter ça et de stopper. Voilà, ça fonctionne par système d'ordre, hein. Il y a jamais aucune initiative à ce niveau-là, aucune initiative personnelle ou collégiale. Ce sont les maîtres du monde qui dirigent, et ils le font quand même bien savoir, hein. Ils le font sentir quand on leur désobéit aussi. Donc, voilà, mais le fait qu'ils reviennent ou qu'ils ne reviennent pas ne changera absolument rien. Admettons qu'ils soient effectivement en vie, admettons qu'ils reviennent effectivement. Il sera certainement acclamé par les gens qui l'aimaient bien, ou par les gens qui le connaissaient, ou qui l'attendent potentiellement, mais il reviendra de toute façon. Il reviendra dans un tout autre système où il ne sera plus représentatif de rien. Il aurait été représentatif si le monde d'avant avait perduré sur un peu la même ligne, mais assaini. Là, effectivement, ça aurait pu être quelque chose d'intéressant. Il aurait pu être représenté une image emblématique, en fait, du monde débarrassé des oppresseurs. Mais là, même s'il devait revenir de manière triomphale, il n'y aurait plus spécialement de place pour lui, à titre tout à fait particulier, en tant qu'individu, n'importe lequel, individu lambda, comme vous et votre voisin, vos amis, les gens normaux, quoi, des gens simples. Pourquoi pas? En tant que politicien, là, la politique, ça marchera plus trop, hein. Maintenant, s'il veut rouvrir George 2, deuxième variante de son magazine d'origine, ou autre chose, pourquoi pas? De toute façon, il pourra faire ce qu'il veut, comme n'importe qui pourra faire ce qu'il a envie, hein. Ça ne changera rien. Mais en tant que homme de tête, il n'aura plus d'incidence dans le monde qui vient. Donc, voilà. Voilà. Mais il pourrait potentiellement représenter un élément de poids dans le nouveau paradigme par rapport à une adéquation de sa philosophie ou de son témoignage des temps anciens ou pourquoi pas. Mais je ne dis pas, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais voilà, mais une référence de poids, non. Non, pas spécialement, pas particulièrement. Il fera peut-être figure de héros parce qu'il aura résisté à la mort, éventuellement. Mais bon, pas plus que d'autres gens qui seront dans le même cas. Non, je vois pas. Je vois pas en quoi il pourrait représenter un élément. Bon, je comprends la raison pour laquelle il est présenté comme ça,
avec cette idée qu'ils reviennent potentiellement, ça donne de l'espoir aux gens. Ça oriente leur conscience de l'instant en se disant « Ah, on va déboucher sur quelque chose, on aurait des gens bien, et puis des gens qu'on connaît, des gens qui on peut avoir confiance. Pour ça, c'est parfait. » Mais lui, en tant qu'individu, non, ça, il n'apporterait rien. Franchement, il n'apporterait rien. Ou il pourrait être leader dans sa discipline, quelle que soit sa discipline, mais n'importe qui, encore une fois, n'importe quelle personne de la rue, qui sera présent, qui aura passé le cap du nouveau paradigme, qui s'y sentira à l'aise et qui sera bien, pourra représenter exactement les mêmes valeurs, avec la même force. Non. La seule chose, c'est que les gens l'auront connu, il aura eu une aura de célébrité, une petite célébrité à un moment donné. Ça fera pas la différence pour autant. Donc, je vous dis, c'est pas plus que quelqu'un d'inconnu qui voudrait faire pareil. Ces pole positions ne sont pas réservées à une élite dans le monde qui vient. Elles sont ouvertes à n'importe qui a envie de se donner le mal de s'y tromper, tout simplement, de sortir du lot, de prendre des risques et puis, consacrer son temps et son énergie à faire des choses bien et devenir eux-mêmes représentatifs de ce qu'ils amènent, de ce qu'ils offrent, de ce qu'ils proposent, tout ça. Voilà, sans plus. Bon, ben d'accord, ok. Alors, deuxième question de Géraldine. Vous avez expliqué que bon nombre d'êtres ne passeront pas le cap du basculement pour des raisons diverses ou ne se maintiendront pas dans le nouveau paradigme. Si certains parents venaient à devoir partir, qu'en sera-t-il de leurs enfants ? J'ai peut-être compris que les liens familiaux seront différents après cette ouverture de conscience, mais comment cela sera-t-il géré ? Merci de tout cœur à tous les deux pour votre présence et vos explications illuminatrices. Wow. Presque les Illuminati, il faut faire attention. Alors, Iliana, les potentiels... Les orphelins, Voilà. Il y a quand même de fortes chances qu'il y en ait quelques-uns, mine de rien. On va faire quoi ? On s'occupera de ces enfants-là. Il ne s'agit pas de les pouponner, il s'agit de les canaliser, de les enseigner. On le fera de toute façon à droite et à gauche à partir du moment où il faudra un poste qui ne sera pas forcément pourvu tout de suite. Eh bien, la Prakandasenamoka s'en occupera. Il est prévu quand même de rester assez nombreuses au départ pour pouvoir à tous les postes nécessaires. Donc dès cet instant-là, nous entamerons les différents plans. Les filles, on leur proposera éventuellement, jusqu'à, ça dépendra de l'âge et ça dépendra de plein de choses, mais enfin on leur proposera éventuellement d'intégrer les rangs de Prakandasenamoka en tant que Prakandanari. Bon, les garçons ne pourront pas, forcément, mais enfin c'est pas pour autant qu'on ne s'occupera pas d'eux. Et puis il est prévu aussi de constituer ce que nous appellerons des commanderies, en l'occurrence, où seront véhiculées les valeurs de la chevalerie, alors rénovées, pas celles de l'ancien temps, qui dépendront, en l'occurrence, de la Prakandasenamoka aussi, où il y aura filles et garçons, et les garçons seront aiguillés dans ces milieux-là pour leur enseigner les valeurs, les vertus de l'âge du diamant, en l'occurrence, et du nouveau paradigme en tant que tel. Ce sera une occasion de pouvoir les immerger le plus tôt possible, l'âge qu'ils auront, de toute façon, pour les petits, on s'arrangera comme on le pourra par rapport à ça. Il faudra peut-être qu'on apprenne aussi à jouer les mamans, je ne sais pas, ça fera bizarre quand même, enfin. Pourquoi pas, on a appris tant d'autres choses, pourquoi pas ça. De toute façon, ces mini gens-là seront forcément l'avenir, en partie, l'avenir de ce monde. Donc il faudra les y préparer correctement. Disons qu'ils n'auront pas l'avantage d'avoir des parents, évidemment, c'est quand même au niveau affectif, c'est quand même important. Enfin, il y a toujours existé des orphelins, donc forcément. Elles étaient moins bien traitées qu'ils ne le sont jamais dans le monde d'après, d'autant plus que on sait à quoi comment l'ennemi s'en servait à l'époque, de tout temps, hein, que ce soit
le passé proche à très lointain. Donc non, là, ils auront, en tout cas en contrepartie, ils auront la chance de ne pas être freinés par des parents susceptibles de leur enseigner, tenter de leur enseigner des valeurs potentiellement obsolètes, malgré eux, hein, sans vouloir mal faire. Mais là, ils sont vraiment au cœur même des préceptes les plus actuels, et ça leur donnera l'occasion de pouvoir vivre au quotidien ces valeurs. Pas juste les leur enseigner de manière théorique, mais que disons, le personnel, je vais dire ça comme ça, le personnel d'encadrement, pourra témoigner par leur propre comportement de la mise en application de ces valeurs qu'on leur enseignera. Ce ne sera jamais, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Tout au contraire. Ça, ce sera extrêmement surveillé par nos soins. Donc, oui, il y a des protocoles qui sont prévus à la mise en place pour pallier à ce genre de situations qui se présenteront obligatoirement. Ne serait-ce que les gens, enfin les orphelins qui sont déjà orphelins maintenant, et qui qu'est-ce qu'ils vont faire après, quoi? Parce que être livré aux institutions, je vais dire ça comme ça, et c'est gentil, bien qu'il y ait quand même des gens bienveillants et sincères qui travaillent, hein, dans ces institutions, évidemment. Mais l'institution en tant que telle, la raison pour laquelle elle est montée, la manière dont elle est gérée, volontairement par l'ennemi, sans en avoir l'air, évidemment. Et quelque chose qui, si mauvais soit-elle dans le fond, correspond quand même à un encadrement qui leur permet de pouvoir subsister, ces enfants-là. Là, il n'y aura plus rien. Donc il faudra bien prendre ça en relais. On y sera contraint et forcé. Donc, mais je me fais absolument aucun souci à ce niveau-là. De toute façon, il n'y a aucun problème. Tous les gens qui sont correctement positionnés et qui attendent leur heure, qui est celle de l'humanité, en fait, au moment où ce paradigme pourra enfin s'ouvrir. Enfin, il est déjà largement ouvert. Je veux pas. Ça m'embête un peu d'en parler au passé, même autant que ça m'embête d'en parler au futur. Enfin, au passé, au présent. Oh, excusez-moi. Ça m'embête d'en parler au présent parce que les gens ne voient rien, mais ça m'embête d'en parler au futur parce qu'il est vraiment déjà là. Alors, bon. Disons qu'on est vraiment à la frontière, c'est plus qu'un no man's land, hein. Enfin bref, je vais pas en dire trop non plus, mais c'est quelque chose qui, de toute façon, est prévu comme tout le reste. La gestion de la population et la gestion des ressources de la planète sont les deux bases fondamentales nous permettant d'enrayer sur un monde davantage cohérent. Et s'occuper des enfants sans parents représente une priorité, mais s'occuper des personnes âgées aussi qui n'auront plus rien, ou des pauvres qui n'ont jamais rien eu, ou qui ne l'ont plus, qui n'ont plus quoi que ce soit, tout ça devrait être géré de front, sur la même ligne de front, de manière à permettre à ce monde de reprendre dans une dynamique égalitaire la plus parfaite possible. Ce ne sera pas facile, mais tous les moyens seront déployés par nos soins pour que ça puisse effectivement se concrétiser le plus vite possible et sans couac, d'aucune manière. En tout cas, c'est encourageant, effectivement. Enfin voilà, Gerline, j'espère que vous avez réponse à vos interrogations. Alors, on passe à la question de Gabriel qui nous demande ceci. Connaissez-vous le projet GWS? Oui, je connais. Ça, pour le coup, c'est de la réponse ultra rapide. Allez, On me demande si je connais. Ben oui, je connais. Je ne peux pas demander ce que c'était. Je suppose que si elle me pose la question, c'est qu'elle le sait, elle. Donc, enfin. Ben moi, par contre, je n'en sais rien du tout. Alors, de quoi s'agit-il, vite fait? Bon, sans trop rentrer dans les détails, c'est un programme qui est fondé sur le développement technologique. C'est quelque chose qui est, disons que ça frise à certains égards. C'est pas forcément voulu comme ça, hein, évidemment, mais c'est censé embrayer sur le transhumanisme à partir d'un moment donné. Donc là, pas bon.
Alors justement, je rebondis là-dessus, puisque la deuxième question de Gabriel est-ce un projet positif pour l'humanité? Vous venez d'y répondre quelque part. Oui, non, ça n'a rien de positif. En fait, ce projet tend à vouloir résoudre les problèmes de l'humanité via la technologie, tout en prenant ses distances face à la gouvernance des populations telle qu'elle est envisagée aujourd'hui encore. Tout ça par le biais de la technologie. Alors, on a des appellations du type vaisseau Shambhala, des choses, mais ça c'est signature ennemie. Vous voyez, Shambhala, vous êtes sûr que c'est signature ennemie. Donc, ça fait partie du très vaste panel de solutions proposées par des gens qui offrent des alternatives au système ennemi. Et en fait, ces gens travaillent pour l'ennemi ou sont l'ennemi lui-même, comme je l'ai souvent expliqué, hein. Il y a le circuit officiel, le monde officiel, et puis les alternatives proposées pour éventuellement canaliser la révolte des gens ou leur insatisfaction, de manière à pouvoir leur offrir une potentielle et théorique et conceptuelle voie de sortie vers quelque chose qui est tout aussi ennemi mais qui n'en a pas l'air. Donc voilà, le projet GWAS, c'est ça, c'en est un parmi d'autres. Il me semble, je suis pas certaine, mais je crois bien qu'il a été approuvé par sa sainteté le Dalai Lama. Alors là, quand on a une crapule de son envergure qui approuve quelque chose, je peux vous garantir que vous pouvez tout mettre à la poubelle et le Dalai Lama avec. Pour le coup. Voilà. Donc, non, franchement, c'est... Alors, améliorer les conditions de l'humanité, absolument, de cette façon, c'est l'objectif absolument majeur, évidemment, en ce qui nous concerne, hein, je parle. Et la technologie, eh bien, on s'en privera pas, tout au contraire, mais, avec la conscience qui va avec, sans les débordements, et sans les délires, et sans les abus scientifiques, non, là, ce sera géré de façon mesurée, de façon parfaite, de façon rationnelle, et certainement pas en substituant la valeur de l'humanité par la valeur technologique. Ni de près, ni de loin. La virtualité, c'est bien, mais vraiment à dose homéopathique. Personnellement, je préfère l'acuité de conscience, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Je rappelle quand même que tout ce qui est technologique au jour d'aujourd'hui, en fait, a la vocation d'une forme de prothèse, si je puis dire. Un téléphone portable, si vous voulez téléphoner à quelqu'un, vous voulez envoyer des SMS, vous voulez connaître la météo, vous voulez, je ne sais pas, n'importe quoi, tout ce que je sais qui peut faire un smartphone aujourd'hui, et ben cet instrument est une prothèse. Prothèse à la conscience, parce qu'il vous permet de réaliser ce que la conscience serait parfaitement capable de faire, mais dont la capacité a été ôtée à l'être humain par les différents traitements, ne serait-ce que éducatifs, que la nature humaine a subi sur volonté de l'ennemi, afin de l'abrutir au maximum, et toutes ces capacités qui sont encore... qui sont encore actives à certains égards chez les peuples du continent africain, moins soumis à la férocité de la dictature mentale, ils trouvent leurs ressources encore intérieurement pour échapper un petit peu à ça. Voilà. Donc, la technologie aujourd'hui donne une aide, hein, une aide certaine au quotidien, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup handicape le développement d'une faculté équivalente, mais propre à la nature elle-même Je prends simplement pour exemple le monde des Twitch, que je connais quand même assez bien, donc je peux en parler. Et bien dans le contexte qui est le nôtre, vous ne verrez jamais une Twitch avec une oreillette ou avec un portable aussi. Les filles qui sont insérées dans des conditions sociales furtives, évidemment, elles font comme tout le monde, donc c'est portable. Mais je veux dire, si une Twitch veut en contacter une autre, elle ne prend pas son portable, elle la contacte psychiquement. Tac. Et la connexion est immédiate. Il n'y a jamais hors forfait, il n'y a jamais de problème de réseau, jamais. Hein, c'est parfait. Là, c'est pareil. Si une Twitch doit compter,
doit faire un calcul quelconque, elle le fait, elle prendra pas une calculatrice. Elle comptera ça comme ça, par ses propres facultés. Donc, vous voyez, tout ce genre de choses. En parlant de ça, permettez-moi, est-ce que je peux faire un test? Un test de quoi? Vous êtes forte en calcul mental? Oh. Qu'est-ce que j'ai encore pas dit? Oui, comme tout le monde. Enfin, comme tout le monde chez nous, je veux dire. Pour le plaisir, on peut essayer une multiplication au nombre de chiffres que vous voulez. Si vous voulez. Mais j'aimerais bien que vous me l'écriviez sur le papier, par contre. J'adore vous prendre au mot, en fait. J'avais remarqué. Ça vous gêne pas? Non, si ça vous amuse. Ça fait un peu chien de foire, hein, quand même. Enfin, bon, si ça vous amuse. Alors, c'est pas la question, vous savez, les mauvaises langues diront ouais, bah, de toute façon, il lui a montré la calculatrice, et puis elle a dit le chiffre qui était écrit sur l'écran, et puis ceux qui voudront. Mais c'est pas pour moi, hein, c'est pour moi. Hein. Peu importe ce qu'on en pense à droite à gauche. Je peux? Combien de chiffres alors? Comme vous voulez, pas d'importance. Bon, ok, on fait ça. Oh, j'aime bien, ça fait. Bon, alors. Voilà. Vous savez ce que je crois? Je crois que vous allez me le dire. Je crois que vous êtes un grand enfant, en fait. Oh, Lialana, vous ne vous sentez pas obligé de me faire des compliments, hein. Ça passe tout seul, hein. Alors? Alors, 4347. Plus fort pour le micro, hein. Faut qu'on l'entende, hein, quand même. Ouais, mais pardon. Vous m'en aurez quand même déjà fait faire des trucs, hein, dans ces émissions. Oh là là là. Alors, 4347 multiplié par 6212. Oh là 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 là. 27 364. Ouais, moi, je prends une calculatrice, hein, permettez. Eh ben, 27 364. Sans surprise, hein, mais. Oh, chapeau quand même. Ah, quand même, il faut le faire. Hein. Oh là là là. Le talent d'Edwige est incommensurable. Vous savez, j'ai vu des gens faire ça, des gens lambda, hein, je me souviens, oh, je ne sais plus du tout dans quelles circonstances, mais il me semble que c'était une émission française où il y avait une personne âgée, un petit monsieur qui va avoir dans les, je sais pas, peut-être 80 ans, et le présentateur était avec sa calculatrice, mais un chiffre plus gros que ça, hein. Et le gars, paf, il est sorti aussi rapidement. Hein. Ça n'a rien d'extraordinaire. C'est ça que j'aimerais que tout le monde comprenne. Ça n'a rien d'extraordinaire. C'est simplement des cases à déverrouiller. C'est tout. Hein. Bon, les Edwiges sont des Edwiges. Par contre, je ne suis pas certaine qu'une Edwige matricielle, donc incarnée comme n'importe quel être humain, soit capable du même prodige. Ça, il faudrait peut-être le travailler, ou alors travailler l'ouverture de cette possibilité-là. Nous, là, naturellement, mais c'est normal. C'est normal. Ça n'a rien de si. C'est rien, ça. Oh, c'est rien, c'est rien. C'est sacrément utile quand on n'a pas de calculette. Hein? Non, oui. Non, vous êtes talentueuse, Iliana. Vous êtes intelligente, vous êtes bonne comme le bon pain, vous êtes belle comme le jour, vous avez toutes les qualités. Sortez les violons maintenant. Ah là là. Les Edwiges sont comme ça. Nous sommes toutes comme ça. Je pense que ce qui est important de comprendre pour l'humanité, c'est que elle peut devenir exactement ce que nous sommes aujourd'hui. Un peu plus tard, nous aussi, on aura évolué. C'est ce que je dis. On aura toujours une longueur d'avance, mais ça montrera le cap quelque part toujours. Et puis on ouvre le chemin et puis il n'y aura plus qu'à suivre. Voilà, c'est ça. Faut pas trop nous considérer comme des gens extraordinaires. Oui, ce sort d'ordinaire, hein, la vie, je sais pas comment. C'est certain, pas encore. N'empêche que ce n'est pas quelque chose qui est. Rien de ce que nous faisons, rien de ce que nous faisons est inaccessible à la nature humaine. C'est inaccessible à la condition humaine d'aujourd'hui, ici, maintenant. Mais c'est tout. C'est tout. C'est ça qu'il faut voir. Ça, c'est important.
Merci quand même pour vos compliments, ça fait plaisir. Eh oui, hein. Une viche reste une fille. Ouais, comment, hein? Et fier de l'être, hein, attention. Vous avez bien raison. Voilà, voilà pour ce qui est des questions de Gabriel. Ah, alors, nous passons immédiatement à une question d'Anton Zoltek. Bonjour, Anton. Bonjour, Anton. Alors, aujourd'hui, Anton nous pose une question, qui est donc celle-ci. Bonjour, vous dites de la vidéo 46, hein, décidément, à 58 minutes 39 secondes, ouvrez les guillemets, les gens doivent impérativement comprendre qu'il n'y a absolument rien à attendre de quoi que ce soit qui vienne du passé, mais rien, même aucune valeur du passé n'a plus de valeur dans le présent et dans l'avenir. Fermez les guillemets. Cela concerne-t-il également les techniques de nettoyage des mémoires et des entités? N'y a-t-il vraiment que le rinique qui soit efficace à vos yeux? D'ailleurs, il fait appel au home. Cela ne vient-il pas du passé? J'adore quand on vous prend au mot, Iliana. Il en ressort toujours des choses extrêmement intéressantes. Alors on peut dire quoi? Ah, c'est pertinent, ça, il n'y a pas à dire, c'est une, vraiment, c'est une très bonne question. Bon, oui, ça mérite d'être posé. Hein. Eh bien, non, ça ne concerne pas les techniques de nettoyage des mémoires, des entités, et etc., etc. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que, alors, cette technique à l'origine ne vient pas de l'âge de fer, elle vient de l'âge d'or, c'est-à-dire entre 1986 et 2010. C'est déjà mieux. Mais, je suis d'accord, nous ne sommes plus en âge de, nous sommes en âge de diamant depuis un paquet d'années maintenant. Donc, il y a obsolescence. Là-dessus, vous avez raison et c'était extrêmement, extrêmement intelligent de votre part de relever ce détail-là. Là, franchement, bravo. Ça montre une acuité d'esprit, ça témoigne d'un discernement qui est excellent, parce que il ne faut pas avoir peur de remettre en question quoi que ce soit, même ce qui représente les valeurs que nous prenons potentiellement. Maintenant, je vais vous dire pourquoi ce n'est pas le cas avec ça. Parce que cette technique, elle est en soi, alors hein, déjà elle a été améliorée nettement, et disons que sa dernière version est de l'âge de diamant, en l'occurrence. Voilà. Bon, mais c'est pas tout. Cette technique fait appel à un certain nombre de forces. Ces forces sont, d'une part, conscientes, d'autre part, soumises à la loi d'évolution. C'est-à-dire que ces consciences évoluent elles-mêmes et elles suivent le mouvement de la dynamique évolutive absolument propre au nouveau paradigme de l'âge de diamant orthodole actuel. Donc là, on est absolument dans la représentation parfaite d'un exemple d'éléments actifs qui soit absolument calé sur la note de fond du paradigme actuel, déjà actuel, permettez. Voilà, donc ce n'est pas obsolète, ce n'est pas, dans ces conditions-là, ce n'est pas soumis au risque d'obsolescence, puisqu'il s'agit de conscience et que ces consciences évoluent. Elles évoluent et s'adaptent à la situation et aux changements d'énergie. Elles se calent sur les fréquences plus hautes de manière à être plus efficaces, plus efficientes, etc. Et l'architecte qui est, je veux dire ça comme ça, entre guillemets, l'architecte, avec un A majuscule tout de même, l'architecte qui est à l'origine de la conception de cette méthode, impulse lui-même, si nécessaire, une évolution dans le mode opératoire. Et lui-même est, quelque part, d'une certaine manière, on peut dire ça comme ça, une manifestation de l'énergie d'évolution elle-même. Donc il n'y a absolument aucun risque qu'on se retrouve face à la nécessité de devoir utiliser une méthode qui ferait partie du passé. Rien au monde, en termes de méthodologie de travail destinée à un nettoyage du champ d'énergie de l'incarnation n'est moins obsolète que cette méthode, que le rinique. Le rinique est son équivalent amplifié destiné au corps initiatique. Donc, voilà, c'est la raison pour laquelle
Votre question est pertinente parce que ça aurait pu être le cas, effectivement. Ça aurait pu être le cas. Et d'ailleurs, c'est ce qui a guidé tous les nouveaux mouvements, toutes les nouvelles religions, qu'elles soient sincères ou qu'elles soient crapuleuses, peu importe, qu'elles le soient au départ, qu'elles soient clean au départ, qu'elles soient devenues crapuleuses ensuite, peu importe aussi. Il y a toujours ce phénomène d'obsolescence qui guette. Qui guette, qui guette, qui guette. L'obsolescence, l'énergie d'obsolescence a le temps pour elle, évidemment, puisque c'est le temps qui la renforce. Et c'est ce en quoi cette question était particulièrement pertinente. Et en l'occurrence, c'est la raison que je vous donne est celle pour laquelle ça ne peut pas arriver concernant ça. Et c'est pour ça que il n'y a vraiment, effectivement, que le Riddick qui soit à ce point capable d'obtenir ce résultat. Parce que justement, le Riddick est fondé sur quelque chose qui est auto-évolutif. Et qui se cale toujours sur la meilleure version possible. C'est un peu comme un logiciel installé sur un ordinateur qui lui est connecté à Internet. Et admettons qu'il y ait des petites micro-modifications, des mises à jour de version de ce logiciel, et que sans vous demander votre avis, automatiquement, paf, il reçoit l'instruction de mise à jour, il télécharge la mise à jour et il est à jour. Tous les jours, vous avez votre programme à jour. Ben, c'est exactement pareil pour le nettoyage de la nature humaine incarnée. Donc, est-ce que le Riddick est le seul qui soit efficace à nos yeux? C'est pas nos yeux qui le voient et qui est efficace. C'est un constat évident qui est surtout perceptible par ceux qui le mettent en pratique. C'est eux qui en témoignent. Bon, nous, on n'intervient pas, on perçoit effectivement la différence, mais vous savez, à partir du moment où quelqu'un, même de très éclairé, même de profondément honnête, essaye de faire quelque chose pour obtenir un résultat équivalent à celui du Rénic, par exemple, il va mettre tout ce qu'il connaît, le meilleur de lui-même, dans la conception de cette pratique. Il sera obligatoirement obligé de prendre des références cognitives pour faire ça. Ça va pas tomber pouf comme un poulet rôti dans l'assiette, comme ça, paf. Non, il sera obligé de prendre des références cognitives pour établir sa recette, si je puis dire. Et ces références, elles viendront obligatoirement du passé. Obligatoirement. Le Riddick est la seule et unique méthodologie de travail, je vais dire ça comme ça, la seule méthodologie de travail qui ne prennent aucunement ces références dans le passé, mais dans le strict présent éclairé par les perspectives de l'avenir. Ça fait quand même vachement toute la différence, si je puis me permettre. Voilà. Donc là, oui, effectivement. Hein. Alors, pareil, il fait appel au home. Alors, le home, effectivement, si on demande à quiconque connaissant un peu la chose d'où vient le Om, on verra que ça vient de l'Inde, c'est très ancien, etc. C'est lié à Ganesha, qui était le dieu qui lui était attribué quelque part, cette énergie-là. Alors le Om est beaucoup plus ancien, mais la mémoire de l'humanité s'arrête au stade de l'Inde antique, enfin de l'hindouisme, les origines de l'hindouisme. Alors, c'est effectivement vrai. Mais là aussi, le home d'aujourd'hui n'est pas celui de l'hindouisme de l'époque. Pas du tout. Évidemment, personne ne peut percevoir la différence. Si un sensitif le pourra. Si un excellent sensitif se cale sur l'énergie du home ou une représentation picturale du dieu Ganesha avec le arborant le home, etc., qui date du passé, en se calant dessus, il pourra en ressentir l'énergie, je pense. Je pense pas trop me tromper, ça devrait pouvoir transparaître encore. Alors que l'énergie du home d'aujourd'hui n'a absolument rien à voir. Le home a été très assombri durant l'âge de fer. Assombri, comme tout le reste. Et la divinité qui s'est attachée à cette énergie-là, donc Ganesha, qui était une conscience dans le séjour attribué à ce qui était l'hindouisme, enfin le panthéon hindouiste de l'époque, tous ces dieux-là ont été dissous, ils ont été incapables de s'adapter au retour de l'âge d'or. Il en était
était hors de question pour eux, puisque de toute façon, ils tiraient leur pouvoir et leur puissance des aberrations de l'âge de fer, exactement comme n'importe quelle mafia. J'aurais dit toujours la même chose, hein. C'est très, très corrélé, finalement, ces deux mondes-là, la religion et la mafia. Eh bien, lorsque Ganesha s'est retrouvé face à la perspective de devoir évoluer lui-même vers quelque chose d'autre, vers un autre paradigme, celui de l'âge d'or, en l'occurrence, il ne s'agissait pas d'un paradigme socialement établi, puisqu'il était quand même fiché sur les plans subtils, eh bien, il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Et obligatoirement, une sanction de dissolution est intervenue, et putain, il a disparu. Donc, lui c'était coincé au sommet de l'égrégore de l'énergie du home. Il fallait bien faire quelque chose. Cet égrégore-là est gigantissime. Un nombre de gens qui répètent le home, qui prient le home, qui se connectent à cette énergie-là, c'est une énergie quasiment primordiale. C'est énorme. On ne pouvait pas laisser un champ d'énergie aussi puissant sans personne à sa tête. Alors, comme celui qui était a fait faux bond, il n'était pas capable de gérer la montée d'énergie du haut aussi, et qu'il s'est rebellé contre ça, a trahi, a essayé de saboter le retour de l'âge d'or pour garder ses acquis, forcément, il a été dissous. Alors, une autre conscience extraite de la conscience de l'absolu est venue à cette place précisément pour la gérer, en tant que eh bien, la conscience dévolue à la gestion de l'égrégore du home. Donc, voilà. Alors, à partir du moment où cette conscience est dépendante à elle-même, quelque part, des flux très puissants de la dynamique évolutive, eh bien, forcément, elle se cale dessus et elle co-participe elle-même à faire évoluer cette énergie. C'est-à-dire que si cette énergie l'a fait évoluer, elle fait évoluer cette énergie qui l'a fait évoluer. C'est exponentiel à partir d'un moment. Ça, c'est ce qui est propre au caractère orthogonal. Donc, en l'occurrence, que ce soit le home, que ce soit l'urinique, on est dans une configuration où, de toute façon, il y a auto-adaptation. Il y a auto-évolution des outils qui permettent ce nettoyage. Donc, rien n'est plus à jour que ces éléments-là. Donc, voilà, vous avez votre réponse, en l'occurrence. Il n'y a rien qui est dans ces outils, dans ce qui est propre à l'archimagistère, il n'y a rien qui échappe à la dynamique de mise à jour la plus puissante qui soit. Je pense qu'on peut résumer ça comme ça. Wow, excellente démonstration, Eliana. Hein. Franchement, chapeau. Hein. Eh ben voilà, Anton, pour votre réponse. Et si elle nécessite complément, hein, bah comme tous ceux qui vous ont précédé dans cette vidéo podcast, n'hésitez pas à renvoyer un formulaire avec des demandes d'explications complémentaires. Alors, nouvel intervenant, anonyme en l'occurrence, pour une question qui est celle-ci. Que devient Jesse Ventura, qui fut l'un des premiers à dénoncer l'état profond sur Facebook? Vous m'aviez dit qu'il était protégé. L'est-il encore? Merci. C'est vrai que j'aime bien Jesse Ventura, j'aime bien ce bonhomme. Il est sympathique comme tout. J'ai eu l'occasion de pouvoir discuter avec lui. Bon, évidemment, il ne savait pas qui j'étais vraiment. Mais on a eu l'occasion d'échanger assez longtemps sur des points sensibles. Il aurait bien aimé me récupérer dans son équipe. Mais bon, il n'en était pas question. J'avais d'autres choses en priorité, et puis ça correspondait pas au plan, forcément. Mais enfin, on est resté en contact une fois ou deux, et puis voilà. Mais ce que je trouve bien chez lui, c'est que c'est cette distance extraordinaire qui sépare le gouverneur de je sais plus quel état d'ailleurs, l'état de gouverneur en l'occurrence, et l'état de dissident du système. Hein. C'est cette distance, elle est énorme quand même. Donc, il a vraiment pris des risques, et il a su s'engager quand même pas mal loin. Et il a aussi su rester en vie, ce qui est assez fort, parce qu'il a quand même, il a été fouiné quand même pas mal.
Mais en l'occurrence, oui, il est toujours protégé, en l'occurrence. Il y a des gens qui prétendent qu'il est mort, par contre, monsieur, ça, c'est absolument fou. Mais ce qu'il fait maintenant, c'est, d'une certaine manière, c'est un peu profiter de sa retraite. C'est-à-dire que nous lui avons envoyé, au titre des risques pris et de son engagement, quand même, sur le nombre d'années, nous lui avons envoyé des gens de la faction P-14 qui ne sont pas présentés sous ce nom-là, mais enfin, en lui démontrant que l'ennemi était défait. On lui a porté les preuves en rapport, quand même, ce qu'il a pu vérifier par lui-même, parce qu'il ne laisse rien au hasard non plus. Et il en a été soulagé. Une tension de millions de tonnes qui est partie, qui s'est évaporée. Quelque part, il a pu. Il y croyait à peine, hein, tellement c'était extraordinaire. Mais enfin, il n'a plus vraiment besoin d'être protégé à l'heure actuelle. Enfin, on est méfiante et puis on tient aux gens qui sont précieux quand même pour le monde d'après, qui pourront témoigner de leur audience aussi des bienfaits de la civilisation que demain et des changements conséquents qu'elle représente par rapport à celle encore d'aujourd'hui, même si on vit dans une simulation de civilisation ennemie. Mais quand même. Donc, il est un peu protégé. C'est qu'il est surveillé pour être sûr qu'il lui arrive rien. Et on n'hésitera pas à le remettre un petit peu dans le circuit s'il a une position à donner, parce qu'il a quand même une audience conséquente aux États-Unis, notamment, pas que, mais pas surtout là-bas, forcément. Et il pourrait potentiellement servir à créditer certaines choses, en dénoncer d'autres. Enfin, il pourrait servir notre protocole actuel, on verra dire. Donc, bon, on verra bien. Mais enfin, il va bien. C'est l'essentiel. Et ben voilà, et puis si vous le connaissez personnellement, passez-lui le bonjour pour nous. Hein, voilà. Voilà. Bon, eh bien, on arrive au dernier intervenant de cette vidéo podcast numéro 51. Notre amie, la célèbre Athéna Vénus. Bonjour Athéna Vénus. Bonjour Athéna Vénus. Alors, voici la question d'Athéna Vénus. Bonjour Ilia Lana et au présentateur. Dans votre réponse donnée dans la vidéo podcast numéro 43 à Comment faire le travail de décondensation du rattachement émotionnel du passé, certains points évoqués ont suscité ma curiosité. Quand vous parlez de, ouvrez les guillemets, charges qui créent des boulets intérieurs et qui vont fort souvent entrer dans des pensées cycliques ou encore des programmations qui modulent notre quotidien auquel nous sommes enchaînés et dont on n'arrive pas à sortir, fermez les guillemets, s'agit-il ici du double aérien et plus précisément de la première sphère dont l'âge est équivalent à celui de la personne qui le porte et rien de ce qui est antérieur? Alors? Attendez, vous pouvez reformuler la question. Attendez, je vais prendre un peu plus rapide. Charge, un boulet, attendez, programmation, ouais, d'accord. Non. La première sphère, en fait, est un corps subtil d'enregistrement. C'est un peu comme si on mettait un magnétophone, hein, si je puis dire, à la naissance du bébé et qu'on l'éteignait à la mort du corps, à la fin de son existence, et qu'on prenait la cassette et qu'on la voyait dans la deuxième sphère. Voilà, c'est simplement un centre subtil d'enregistrement, d'information. En l'occurrence, les problèmes, les conglomérats psychiques qui représentent les fameux boulets, les programmations, les éléments mémoriels influents, c'est surtout les chakras qui les encaissent, qui les emmagasinent, qui enflent. Donc, pas forcément les chakras, les sept principaux chakras, les chakras majeurs, ça peut être n'importe lesquels, hein. Il y a des milliers de chakras dans le corps humain. Et disons que les chakras principaux finiront toujours par être affectés, forcément, puisque l'énergie leur revient, l'énergie de la programmation circule. Mais cette programmation est fichée dans les chakras en tant que les carrefours des circulations d'énergie. C'est là que ça pose problème. Donc c'est pas une question de sphère, c'est vraiment, vraiment les chakras, c'est des éléments plus connus pour le coup.
Bon, d'accord pour ça. Tout l'intérêt aussi de pratiquer le rené qui nettoie les chakras également. Absolument, et plutôt deux fois qu'une. Bon, alors, dernière question d'Athéla Vénus, et dernière question de cette vidéo également. Pardon. Tout en restant dans le thème, il est dit que l'urinique est la seule façon absolument certaine de parvenir à dégénérer le double sou plantaire. Par ailleurs, vous avez déclaré de la vidéo numéro 34 que si la corde d'argent restait rivée au corps décédé, l'âme n'arriverait pas à se libérer et continuerait à subir ce que le corps subit. Et que si quelqu'un se trouvait dans cette situation-là, l'advice tutélaire interviendrait et trancherait immédiatement la corde d'argent. Par conséquent, cette dernière révélation me fait poser les questions suivantes. N'est-il pas possible pour l'advice tutélaire de mettre à exécution le même procédé en vue de détacher les autres corps subtils à l'homme, purement négatif et néfaste, freinant l'âme dans son élan naturel du salut qui lui est destinée. Ou faut-il trouver des solutions qui doivent absolument, en majuscule, venir de l'homme en lui-même, en pratiquant l'urinique, bon, par exemple, et non pas quelque chose d'extérieur, dans le dessein de, justement, faire évoluer l'âme, si dans le cas contraire, l'âme n'aurait rien à y gagner. Merci de l'attention que vous portez à nos questionnements dans l'attente de votre réponse. Je vous prie de recevoir mes salutations distinguées. Voilà. Alors ça c'est une bonne question, par contre, hein, j'avoue, j'y aurais jamais pensé. Alors, est-ce que l'advice tutélaire peut libérer l'humanité des corps subtils négatifs pour favoriser son évolution? Avouez que ce serait quand même un peu facile, hein, quand même. L'évolution spirituelle, elle n'est pas liée au fait de s'être débarrassé d'un corps pesant qui venait vous contrarier, hein. L'évolution spirituelle, c'est le résultat des efforts fournis pour s'adapter à l'existant, au vivant et à co-participer, je dirais, aux œuvres évolutives qu'on rapproche de qu'on dit être issu de l'absolu et qui représente la vibration de l'absolu aussi. Non, ça, c'est pas possible, malheureusement, hein. Ça, c'est un exemple de questions posées où la personne qui pose la question répond parfaitement de manière parfaitement juste à sa propre question. Les gens sont beaucoup plus intuitifs qu'ils en ont l'air, hein, ou en tout cas qu'ils le pressentent les concernant. En fait, oui, effectivement, c'est quelque chose qui doit absolument venir de l'homme. Ça doit être issu de ses propres efforts. Le double sou plantaire, parce que c'est ça, le corps subtil qui est véritablement négatif, qui condense tout le négatif. Tout est là-dedans. Alors là, on coupe et puis on s'en débarrasse, on jette au feu et hop, ça va mieux. Ah non, parce que le double sou plantaire n'est que la résultante de quelque chose. C'est la conséquence de quelque chose. C'est principiel, le double sou plantaire. Vous l'enlevez pour faire se recréer automatiquement, immédiatement. Il ne peut pas être là. C'est comme si vous faites passer une lumière blanche dans un prisme, ça fait un arc-en-ciel. Bon, ben, vous pouvez mettre la main, vous pouvez faire ce que vous voulez, tant que la lumière passe à travers le prisme, ça génère un arc-en-ciel. Voilà, c'est un peu pareil, mais en négatif. Donc, la seule manière de faire est de produire un contre-effort qui va annuler toutes les choses négatives emmagasinées depuis des vies et des vies et des vies. Pour alléger ça, c'est une marche arrière, quelque part, hein. Non, c'est quelque chose qui doit être absolument acté de manière volontaire pour empêcher la reconstitution permanente de ce que contient ce double et offrir une contre-influence positive, enfin, en tout cas évolutive, face aux manœuvres du double qui tend à vous faire couler tant que possible. Donc voilà, même si elle pouvait couper cet aspect, cet élément négatif-là, il se régénérerait absolument immédiatement. Immédiatement. Non, non seulement il faut nettoyer cet espace-là et en faire un objectif d'entretien de l'hygiène, bon, des corps subtils, exactement comme on pratique une hygiène du corps physique, ben là, c'est pour le corps subtil, et c'est tout aussi incident, voire beaucoup plus, forcément. Et le but est là, et c'est de nettoyer ce qui est sale.
tout se salit naturellement et tout doit être régulièrement nettoyé ben, pour que ce soit propre. C'est exactement le même principe. Il suffit pas, si une maison sale, il suffit pas de la faire exploser et puis voilà, le problème est réglé. Vous faites quoi après? Donc voilà. Je dis ça parce que des manœuvres trop brusques contre le double supplanteur, puisqu'on parle de ça, hein, techniquement, peut avoir des conséquences assez désastreuses. Hein. Vous avez une fosse à purin, vous allez taper dedans parce que vous l'aimez pas, il y a toutes les chances de vous faire éclabousser, vous ne sentirez pas bon après. Ben, c'est un peu pareil, avec des conséquences quand même relativement plus désagréables que simplement le fait de ne pas sentir bon. Donc non, c'est un entretien constant qui va dégénérer l'acquis imprégné, qui va entretenir finalement, quand la propreté aura été obtenue, à entretenir cette propreté, et puis après, ça implique un comportement qui n'aille pas recharger ce double. Donc un nouveau niveau de conscience va permettre ça aussi, un allègement assez considérable. Donc, il faudra toujours faire le ménage, mais bon, il n'y aura pas des caisses et des caisses à débarrasser, un petit coup de chiffon suffira. Voilà, mais c'est quelque chose qui est fondamentalement lié à la dynamique évolutive de l'être humain, dynamique qu'il doit déployer de diverses manières, et ça, c'en est une. Voilà, bon, dans le monde de demain, on n'obligera pas les gens absolument à faire leur rélique, ce ne sera pas une obligation légale, hein. Ce sera fortement conseillé, on leur expliquera pourquoi, maintenant après les gens feront comme ils voudront. Mais chacun aura largement tout à gagner à passer 20 minutes par jour à se nettoyer ses corps subtils pour être quand même beaucoup mieux, beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux dans sa vie. Et surtout confronté aux autres qui feront pareil. Voilà. Donc il n'y a pas de solution miracle, malheureusement. Il faut mettre la main à la pâte. Eh oui, ce serait si simple. Mais c'est simple. Ça l'est déjà. Même ça, c'est simple. Mais par contre, ce serait facile, ce serait un peu trop facile. Et la facilité, ça finit par mener en enfer. Le monde duquel l'humanité est en train de sortir était un monde de facilité. Ah, c'était pas marrant tous les jours, hein, je suis tout à fait d'accord. Mais toutes les possibilités de facilité ont été déployées par l'ennemi pour que l'être humain se jette dessus et en soit dépendant. Voilà, l'addiction à la facilité est certainement la pire des addictions, parce que ça touche toute l'identité de l'âme et du corps, tout. On dit « la paresse est mère de tous les vices ». Je crois que ça exprime un peu cette idée-là, en fait. Eh oui, il faut bien comprendre que le monde de demain, les gens seront les artisans eux-mêmes. Ils seront portés par lui, mais ils devront le co-créer, tous, chacun mettant la main à la pâte pour en faire un monde fantastique. Et ça commence par nettoyer ses propres ombres intérieures. Et voilà, exactement. Ça, c'est un dénominateur commun à toute situation du monde d'après. Ça, on ne pourra pas faire autrement. Et cette pensée-là deviendra surtout parfaitement naturelle à chacun. Et bien voilà, sur ces bonnes paroles, nous sommes arrivés au terme de cette 51e entrevue avec Undvish. Merci Eliana pour votre présence et ses excellentes réponses, comme d'habitude. Je vous en prie, c'est toujours un grand plaisir. C'est un plaisir partagé. Merci à tous ceux qui nous écoutent, merci à ceux qui nous envoient les questions inlassablement. Et si cette vidéo podcast vous a plu, merci de la liker, de la partager, afin que d'autres puissent l'apprécier également. Les commentaires sont modérés mais ouverts, alors laissez-y un petit mot, ça nous fera plaisir. Et si vous avez des questions à poser à la Prakanasenamuka ou à Eliana personnellement, je vous donne rendez-vous à l'adresse habituelle amgt.link/questionsudvish afin de nous les transmettre et que Eliana puisse y répondre. Si vous avez des suggestions, des remarques, des témoignages ou des questions à poser, vous pouvez vous rendre soit sur le forum de la Prakanasenamuka à l'adresse forum.prakanda.org ou sur la plateforme des contacts pour ouvrir un ticket à l'adresse contact.prakanda.org. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Portez-vous très bien, le mieux possible en tout cas. Eliana, je vous serre dans mes bras, je vous aime très fort. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour le réconfort que vous apportez à tous ceux qui vous écoutent avec attention. Sincèrement, soyez bénis du fond du cœur. Oh là là, je ne suis pas certaine d'en mériter tant, mais merci beaucoup. C'est vraiment réconfortant à vous. Je sais que
Je sais que ces vidéos podcast font du bien à beaucoup de gens et c'est un véritable plaisir quand on rapporte ce petit quelque chose. C'est pas grand chose, mais ça vient du cœur. Alors voilà. Merci à vous. Bon week-end à vous également et à tout bientôt. À tout bientôt. Merci. Portez-vous bien. Prenez soin les uns des autres et soyez confiants. Nous y arrivons enfin. Bien à vous. Bonjour chez vous. Portez-vous bien. Et à lundi. Allez, bye bye.